Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de tous les produits que j'ai terminés en 2023. Donc, il y en a un sacré paquet. Donc, j'espère que vous avez du temps devant vous parce que je vais essayer d'aller très très vite. Mais bon, il va falloir que je dise un minimum de choses sur les produits. Je vais vous dire si ce sont des produits que je serais susceptible de racheter ou pas. On commence donc par ce gel douche au monoeil de chez Yves Rocher. Donc déjà, je trouve que l'odeur est vraiment exquise et qu'en plus, c'est pratique puisque c'est un grand format. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de sulfate. Donc, pour les personnes qui font attention à s'il y a du sulfate ou pas, puisqu'en fait, c'est un shampoing et en même temps un gel douche. Donc, c'est vraiment un très bon point. Donc ça, bah, je vais le racheter, c'est sûr. Ensuite, donc j'ai 1, 2, 3... 4, 5, je vais essayer de tous vous les montrer, hein. 6, 7, 8, donc 8 shampoings secs d'action, donc j'en ai vraiment utilisé beaucoup, donc déjà je trouve que bah, déjà ils sont moins chers que les Batiste et qu'en plus ils ont moins cet aspect blanchâtre sur les cheveux quand on en met. Par contre, il faudra en mettre un peu plus pour que ça absorbe davantage le sébum. Mais je pense que de toute façon, on s'y retrouve au niveau du prix. J'ai ces deux shampoings secs qui viennent aussi d'Action. J'arrive pas à savoir si c'est les mêmes parce que moi, je trouve que je les ai moins aimés. Déjà, donc pour que ça fasse un effet, il faut le secouer assez longtemps. Je le trouve un peu moins efficace. Mais au niveau du prix, ça ne change pas. Donc, je ne sais pas s'ils avaient testé une nouvelle recette, entre guillemets, ou pas. Mais ouais, ceux-là, j'ai moins été fan et je les ai jamais revus depuis. Donc bon, moi, ça m'arrange parce que je préfère les autres. Ensuite, donc j'ai ce lait démaquillant donc, qui est de la marque Robert, donc qu'on retrouve chez Leclerc. Franchement, je pense que je vais arrêter de m'acharner avec les laits démaquillants parce que je n'aime pas ça. Je ne trouve pas ça très très efficace. Donc, il démaquille un peu mieux que les Diadermine. Il me semble que j'avais déjà testé. Mais franchement, c'est pas ça. Le mascara, c'est très compliqué. J'avais un mascara de chez Chiglem qui, d'ailleurs, j'ai fini. Je vous donnerai mon avis plus tard. Je n'arrivais pas à le démaquiller avec ça. Donc, c'est assez contraignant de ne pas pouvoir se démaquiller avec son démaquillant. Mais bon, donc ça, je ne vais pas le racheter. Justement, donc le mascara de chez Chiglem, donc c'est le Max Impact. Donc, avec une brosse assez grosse qui est en poil et à ce niveau là je vais éviter de le toucher, c'est un côté plat. Donc les premières utilisations j'ai pas du tout aimé, je ne sais pas pourquoi le mascara ne voulait pas se travailler correctement, il n'avait pas un effet joli, mais à la fin quand il a un peu plus vieilli l'effet était un peu plus joli, mais du coup il se démaquillait très très difficilement et il n'avait pas un effet waouh. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que je vais le racheter. Ensuite, donc j'ai ce parfum, donc c'est sans bon, Mimosa Héliotrope poudré et l'odeur, donc j'ai vraiment adoré. Je l'ai fini très très vite, ce qui est assez rare parce que vu que j'ai pas mal de parfums, je tourne. Mais lui, j'adore l'odeur, donc le flacon, il est comme ça. Et c'est un cadeau que j'ai eu. Et franchement, très très bon cadeau parce qu'il sent vraiment trop trop beau, bon. Donc celui-là, je ne vais pas trop dans ce magasin parce que je crois qu'il vient de chez Monoprix. Mais si je trouve un parfum avec une odeur similaire, franchement, je le rachèterai, c'est sûr, parce que j'adore l'odeur. Et il tient quand même assez bien. Donc, c'est pas le parfum qui tient toute une journée. Mais comparé à certains, lui, il tient quand même pas mal. Justement, un parfum, j'ai aussi fini celui de chez Yves Rocher. Donc, c'était une collection spéciale, enfin limitée. Donc, lui, c'est à la vanille. Et moi, j'adore la vanille. Quand je l'ai senti, j'ai eu un gros coup de cœur. J'adore l'odeur, franchement, ça sent trop bon. Ça sent pas comme la vanille qu'on a l'habitude de sentir. Donc ça change, c'est cool. Donc pour vous dire, celui-ci tient un peu moins bien que celui que je vous ai présenté juste avant, mais j'adore l'odeur. Toujours dans le parfum, donc j'ai celui-ci donc de chez Adopt. Donc c'est le Sublimissime. Donc pareil, l'odeur, j'adore. Et celui-là, c'est sûr que je vais me le racheter. Et en plus, si on ramène chez Adopt, on a moins 10 ou moins 20% sur le parfum. Donc, c'est quand même vachement cool. Mais ils sont trop trop bons. Et en plus, il y avait des petites paillettes. Donc, c'était super joli à mettre lors d'une fête ou autre d'ailleurs. Ce concealer donc de chez Catrice. Bon, vous voyez pas trop, mais c'est avec une pointe en mousse. J'ai pas trop aimé parce qu'il filait quand même assez dans les plis. Et il ne couvrait pas plus que ça. Donc, bon, j'ai pas trop aimé. Donc, je n'en rachèterai pas.
Là, j'ai trois crèmes pour les mains à la senteur framboise de chez Yves Rocher. Donc, ces deux-là, je les aime beaucoup. L'odeur, franchement, il est cool. Ça pénètre vite. La texture aussi est assez légère. Donc, sans parler de l'odeur que je trouve fortement agréable. En revanche, celle-ci, donc, elle a un packaging différent, mais elle a aussi une texture différente. Elle a un peu plus liquide, ce qui fait que je trouve qu'elle hydrate un peu moins, qu'elle a un peu plus de mal à pénétrer. Donc, ça va laisser infini pendant un certain temps, un temps énorme. Mais voilà. Donc là, j'ai deux crèmes Monoi de chez Yves Rocher encore une fois. Donc, j'utilise énormément les gels douche, les crèmes pour les mains et les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Donc, c'est pour ça, tous les ans, vous allez en voir un sacré paquet. Mais celle-ci, elle a la même texture que la framboise que je vous ai présentée dernièrement. Mais l'odeur, franchement, elle est trop trop bien pour l'été. C'est très agréable. Elle pénètre facilement. Et par contre, du coup, celle-ci, il ne faut vraiment pas mettre beaucoup pour que ça puisse nous hydrater. Donc, je rachèterai. Ensuite, donc, j'ai cette crème pour les mains donc, de chez Nocibé qui est en... la senteur, c'est Yang Yang. Je sais pas du tout ce que c'est. Et fleur de tiare. Au niveau de l'odeur, c'est pas une odeur désirable. Ce n'est pas mon odeur préférée, mais je trouve qu'elle passe largement. Comme le packaging, il est assez rigide. C'est assez compliqué de faire sortir le produit, donc ce qui est assez embêtant. Et je ne trouve pas qu'elle a une hydratation particulière. Hein. C'est sûr qu'elle a un minimum d'effet, mais je préfère largement les Yves Rocher. Donc celle-ci, je ne la rachèterai pas. J'ai ce baume pour les cheveux, donc de chez Action, il me semble. Je trouvais qu'il hydratait mes cheveux, qu'il les rendait doux. Et que, en plus, ça marche sur les cheveux colorés, donc c'est quand même pas mal. Mais en même temps, là, c'est un spécial pour la couleur. Et je trouve que l'application est rapide, la texture est légère et l'odeur, sans le produit à cheveux. Pour les cheveux, dès que ce produit sera de retour chez Action, c'est sûr que je vais le racheter parce que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, deux baumes à lèvres à la vanille, donc de chez Yves Rocher. Donc l'odeur, j'adore, la texture aussi, elle est pas mal, ce qui fait que ça hydrate bien les lèvres. Ce qui fait qu'il est assez confortable sur les lèvres, c'est pas une texture trop grasse. Donc on a l'impression que ça bouge dans tous les sens, donc c'est cool et je rachèterai. Le baume à lèvres au karité de chez Yves Rocher, donc l'odeur j'aime beaucoup. Mais le mien, il a fondu. Donc c'est assez étrange, enfin du coup ce qui fait qu'il a été cassé, enfin qu'il s'est cassé. Mais il hydrate bien et il est confortable aussi sur les lèvres, donc c'est plutôt cool, donc je rachèterai. On a le baume à lèvres donc, de chez Catrice cette fois-ci, donc qui est coloré. J'ai pas trop aimé parce que déjà il est coloré, donc on peut pas en mettre comme ça. Moi j'aime bien mettre mon labello vraiment partout. Et là c'est pas très possible parce que vu la couleur, c'est moyen. Il hydrate quand même, on va pas se mentir. Du coup, on le sent pas sur les lèvres, mais c'est pas mon préféré de par sa couleur déjà. Donc bon, je ne rachèterai pas. J'ai ce sérum donc pour le visage de chez Catrice. Donc c'est le Hydro Plumping avec 1,5% d'acide hyaluronique. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il y avait une pupette. Je trouvais ça vachement pratique. Niveau l'odeur, il n'y a pas une odeur particulière, donc c'est un produit qui pénètre rapidement et surtout qui ne colle pas. Donc ça, c'est vraiment cool parce que des sérums qui laissent un fini collant à la fin, j'en ai testé, je déteste ça. Donc lui, je serais susceptible de le racheter. Donc j'ai également fini un autre parfum, donc c'est la Bella Viva. Donc le nom va forcément vous dire quelque chose, hein. Mais l'odeur, j'adore. Le problème, c'est qu'il ne tient pas. Il ne dure pas dans la journée, mais rien que pour l'odeur, franchement, je trouve qu'il sent trop trop bon. Mais étant donné qu'il ne tient pas, je ne le rachèterai pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Un autre parfum, donc là, c'est le Royal Touch, donc qui vient donc de chez Action. Je trouve qu'il sent quand même bon. Dans tout ce que je vous ai présenté, c'est pas mon préféré. Et c'est pareil, je trouve qu'il dure encore moins longtemps que tous les parfums que je vous ai présentés, donc je ne vais pas racheter. Ce masque pour les cheveux, donc il vient de chez Action, c'est You Are My Passion Fruit. L'odeur, en fait, je l'ai pris pour l'odeur parce que ça sent donc le fruit de la passion. J'adore, ça sent trop trop bon. Par contre, la texture est agréable, mais il n'a aucune efficacité. Donc c'est trop dommage parce que l'odeur, vraiment, c'était tellement agréable de l'utiliser. Mais comme il n'a pas d'efficacité, je ne le rachèterai pas. J'ai plus que le packaging puisque j'ai cassé le tube, donc je vous le mettrai en photo juste ici. Mais c'est le Hydra Végétal donc de chez Yves Rocher en sérum. J'ai beaucoup aimé,
Après, du coup, le problème, c'est qu'il est en verre, donc c'est fragile, hein, la preuve, je l'ai cassé. Il hydrate vraiment bien. Et le format était sympa avec une petite pompe, donc lui je serais susceptible de le racheter. Le shampoing solide nu spécial nutrition de chez Yves Rocher, donc j'ai vraiment trouvé nul en fait. Il a une sensation assez désagréable sur le cuir chevelu lorsqu'on lave, ça fait, je ne saurais pas vous le décrire, mais c'est très désagréable. En plus de ça, bon, il n'a pas d'effet spécial sur les cheveux et puis le format, je ne trouve pas ça pratique, j'arrive pas à trouver la bonne utilisation, mais bon, voilà, je ne rachèterai pas. Le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Donc la brosse, elle est énorme, donc ça peut être assez contraignant si vous avez tendance à faire des tâches quand vous mettez votre mascara. Mais bon, c'est très très facile à enlever, hein, donc sur ça, voilà. J'ai beaucoup aimé l'effet qu'il faisait. Donc même au tout début, lors des premières utilisations, on peut franchement faire quelque chose de très correct. Et bah c'est juste du coup là où ça pose un peu plus problème, c'est au niveau du ras de cils inférieur, comme la brosse c'est assez grosse. Il faut vraiment y aller tout doucement pour être sûr de ne pas se tâcher. Mais franchement, je serais susceptible aussi de le racheter. En revanche, le mascara donc de chez Nocibé, donc c'est le Have It All. Je n'ai pas aimé en fait, j'ai pas aimé l'effet. Il avait un effet pas ouf. Hein. Il avait quand même un petit peu de longueur, mais c'était pas extraordinaire. C'est plutôt un effet naturel, donc moi c'est pas ce que je recherche dans un mascara. Et au niveau de la brosse, donc c'était une brosse très fine, donc ce qui était vraiment génial pour le ras des cils inférieurs, pour les cils inférieurs, donc on n'avait aucune chance limite de se tâcher. Donc bon, je ne rachèterai pas. J'ai deux mascaras Lash Paradise, donc de chez L'Oréal. Donc j'ai trouvé qu'il se finissait assez vite, donc il a une assez grosse brosse, donc c'est plutôt pas mal pour appliquer de la matière. Les premières utilisations, je n'ai pas été très fan, mais j'ai très vite accroché à ce mascara. En revanche, il faut prendre le temps de le travailler. C'est pas un mascara qu'on met hop comme ça et c'est fini. Il se travaille pour avoir un effet très joli. Donc, si je suis amenée à passer devant, je pourrais le racheter, mais ça ne sera pas le mascara que je rachèterai en premier. J'ai testé donc cette levure de bière de Gaylord Hauser. Je ne connais pas du tout cette personne, apparemment c'est un diététicien. Enfin bref, pour les cheveux principalement. Donc déjà l'odeur, je trouve ça affreux. Il ne faut vraiment pas penser à l'odeur en prenant les gélules. Et en revanche, donc je trouvais que ça me rendait les cheveux très beaux. C'était léger, il bougeait très facilement. C'était pas un bâton tout raide. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ils étaient en même temps doux, donc vraiment ils avaient un effet sur les cheveux. Après, j'ai pas forcément remarqué qu'il y avait une certaine repousse un peu plus importante que habituellement, mais c'est juste parce que je n'ai pas pris le temps de m'y pencher. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait aussi un effet sur les ongles, puisque ça me les avait un peu plus fortifiés, c'était un peu plus dur, donc un peu plus solide. Donc c'est vraiment cool et franchement, j'ai trop envie de refaire des cures parce que j'ai eu une très bonne expérience avec ça. Donc ça ne vient pas par rapport, ce n'est pas donc de la cosmétique. Mais je tenais à vous présenter, puisque donc c'est un produit donc pour se laver les mains, donc de chez de la marque Sienne, mais qu'on trouve chez Lidl. Donc là c'est une recharge d'un litre, crème lavante, lait et miel. Donc l'odeur, en fait c'était pour l'odeur, je voulais vous la présenter parce que j'adore l'odeur, ça sent trop trop bon. Et puis écoutez, il lave quand même plutôt bien les mains hein, pour un petit gel comme ça, donc franchement c'est cool, n'hésitez pas à le tester. J'ai testé donc cette brume parfumée à la pêche de chez Yves Rocher. Déjà l'odeur, je trouve que ça sent très bon. C'est très rafraîchissant, ça fait vraiment très estival. C'est super agréable à l'utiliser. En revanche, je trouve qu'elle ne tient pas trop dans le temps. Je sais pas si c'est une question d'habitude, mais ouais, je trouve qu'elle tient pas. Après, ça ne fait pas un effet bizarre sur les cheveux, un effet collant, un effet gras, un effet je ne sais quoi. Non, ça ne fait aucun effet sur les cheveux. Mais ça sent très bon. J'ai ce contour pour les yeux de chez Yves Rocher encore une fois. Mais là c'est avec de l'extrait de bleuet. Je trouvais que le fait que ça soit une bille en roll-on, ça avait un effet sympa et rafraîchissant le matin. Au niveau de l'hydratation, j'ai retrouvé un petit peu d'hydratation. Mais je n'ai pas trouvé qu'il atténuait particulièrement les poches. Donc bon, c'est pas celui que je vais racheter chez Yves Rocher. Voilà. Encore de la gamme Hydra Végétal, j'ai cette fois-ci ce contour pour les yeux. Je trouvais que l'hydraté, qu'il avait un côté frais, qu'il pénétrait vite et puis c'est un format très classique qui fonctionne très bien, donc comme ça.
Donc franchement, je pense pouvoir le racheter celui-là. Le sérum élixir botanique, encore une fois, de chez Yves Rocher. Je trouve que le format n'est absolument pas pratique. Hein. C'est un petit peu contraignant de devoir sortir le produit, surtout quand on est à la fin du tube. Mais il prénate bien et puis il y a une certaine hydratation, donc c'est plutôt cool. La crème visage avec aloe vera, donc de chez Action. Donc déjà, le format est immense, donc on en a pour très longtemps. J'ai beaucoup aimé puisque pendant un moment j'avais des petites sécheresses sur le nez. Et avec cette crème, ça me réparait donc ces zones de sécheresse. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Donc je serais fortement susceptible de la racheter. Je finis d'abord ce que j'ai, mais dès que je la verrai en magasin, je vais la racheter parce qu'elle est trop bien. Et en plus de ça, la crème, elle pénétrait vite. Elle ne laissait pas de filigrane ni collant. Donc ce dont j'ai horreur dans les crèmes hydratantes. Donc là, j'ai un mascara bleu, je crois qu'il vient de chez Babou, donc maintenant c'est BM. J'ai trouvé pas très ouf et que le bleu n'était pas forcément très intense, donc bon, c'est pas... je le rachèterai pas. J'ai ce nettoyant solide donc de la marque Yves Rocher, donc j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas pu le terminer puisque je l'ai perdu. Alors où est-ce qu'il est, je n'ai strictement aucune idée, mais je ne l'ai plus. Je trouvais qu'il démaquillait vraiment bien, qu'il enlevait tout en détail, hein. Il ne pique pas les yeux et je trouvais que c'était facile à utiliser, donc moi je le frottais dans mes mailles, après je frottais mon visage et ça allait très bien. Et l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de coton pour l'utiliser. Donc je rachèterai, hein, ça c'est sûr parce que j'ai adoré. Là j'ai un petit format d'une gelée une gelée hydratante donc de la marque Dr Pierre Rico. La texture était sympa puisque c'était en gelée, ça avait un petit côté rafraîchissant. Mais elle n'avait pas d'effet, donc je ne rachèterai pas. Alors de la marque 5 Monde, donc j'ai une purée à la papaye donc pour une douche exfoliante. C'est censé aussi éliminer la peau, donc l'élimination je ne l'ai jamais vue. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de grains, donc c'est vraiment cool. On peut vraiment frotter comme il faut. Donc ce n'est pas des trop gros grains, donc ça n'a pas agressé la peau. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est vraiment sympa, mais du coup, étant donné qu'il y a beaucoup de grains, je ne recommanderais pas pour les peaux sensibles. Mais je trouvais ça sympa, donc je ne sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver, ce genre de produit. Mais je pense pas le racheter parce que j'ai pas vu un effet extraordinaire, mais voilà, c'était plutôt cool. Donc ce fond de teint de la marque You Are Cosmetic, qui dans tous les cas, je ne rachèterai pas parce que la marque n'existe plus. Mais j'aimais bien l'effet qu'il rendait, ça faisait notre peau en mieux. Donc ça avait une certaine couvrance, hein, un minimum. J'ai beaucoup aimé. Donc après, c'était une contenance pas très grande. Que 15 ml. Mais je crois qu'il a coûté 1 euro. Donc même si c'est 2 euros les 30 ml, franchement, ça va. Après, le format, il n'est pas pratique, je trouve. Surtout pour du fond de teint. C'est un peu comme ça. Vous savez, un peu comme les gloss quand on était plus jeune. Mais voilà. Mais c'était plutôt cool. Mais je vais pas pouvoir le racheter. Alors, ce déodorant de la marque Love Beauty and Planet. Je pense que c'est ça la marque. Déjà l'odeur, c'est pas franchement une odeur qui me fait très plaisir à sentir. J'ai trouvé assez nul, il ne tenait pas dans le temps. Et en plus de ça, au niveau de la bouche, je sais pas si vous voyez, mais les bords ils sont comme mal faits, ce qui fait que quand on utilise la boule, ça c'est pas du tout agréable. On sent le bout du plastique frotter contre notre peau, donc c'est pas du tout agréable, donc c'est sûr je ne rachèterai pas. En revanche, donc j'ai le déo à la vanille de chez Yves Rocher et celui à la menthe poivrée. J'ai beaucoup aimé celui-là à la menthe poivrée. Je trouvais qu'il avait une efficacité vraiment particulière. Et celui-là, comme lui, qu'il sentait très bon. Donc voilà, ces deux-là, je pense les racheter. Cette lotion biphasée donc de chez Dr Pierre Rico, qui était spécialement fait pour les yeux. J'ai pas trop aimé l'odeur. Je ne trouvais qu'elle n'était pas forcément efficace, ce qui est un petit peu dommage en sachant que c'est spécial pour les yeux. Et un peu comme toutes les lotions biphasées, ça laisse un fini gras que je trouve très désagréable. Donc bon, je ne rachèterai pas. Ce gommage végétal donc pour le corps de chez Yves Rocher. La quantité est très petite, donc on ne peut pas vraiment le tester convenablement. Et les gras sont assez gros, donc ça permet de vraiment pouvoir frotter. Et l'odeur, elle n'est pas désagréable non plus. Donc je ne pense pas que je vais racheter non plus. Le shampoing solide, encore une fois, donc de chez Yves Rocher, mais là c'est pour la pureté des cheveux. J'ai trouvé qu'en fait on n'utilisait pas beaucoup dans le temps, parce que c'est censé durer deux flacons de shampoing. Moi j'ai pas du tout trouvé que ça durait deux flacons de shampoing.
Bah, c'est pareil, comme je sais pas trop comment m'en servir, bah, j'ai pas aimé l'utilisation. Je trouvais également qu'il n'avait pas d'effet sur les cheveux et que, comme l'autre, ça fait une sensation bizarre sur le cuir chevelu, même après le rinçage. Donc, je ne rachèterai pas. Donc, j'ai cette jolie micellaire donc, de chez Yves Rocher. C'est de l'élixir jeunesse. Bah, la gelée est sympa, moi j'aime bien les gelées, je trouve ça sympathique par rapport à l'utilisation, ce qui faisait que ce n'était pas trop liquide et donc on pouvait s'en servir sans coton. Après, bah, je n'ai pas trouvé une efficacité particulière, mais l'odeur, elle a une odeur frais, ça rafraîchit du coup le visage en même temps, mais c'est pareil en fait, comme le packaging est assez solide, c'est compliqué à faire sortir le produit. Donc bon, je ne rachèterai pas non plus. Le gel douche de chez Yves Rocher. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de produits Yves Rocher. Dites-moi si, d'ailleurs, si l'année prochaine, si j'ai beaucoup de produits Yves Rocher, si vous voulez que je passe autant de temps sur chaque produit ou si je vous les représente vite fait pour vous dire j'ai terminé, mais sans trop m'étaler dessus. Ça pourrait peut-être venir redondant au bout d'un moment. Mais oui, j'ai celui-là, la grenade. Donc j'adore l'odeur. J'avais jamais testé cette odeur chez eux. Et j'adore, ça fait très estival, donc je vais racheter. Et en plus de ça, il mousse quand même plutôt pas mal, donc bon, j'aime bien. J'ai ce crayon à sourcils donc de la marque Révolution, donc j'ai pas aimé parce que la mine est beaucoup trop grosse. Donc on peut pas être précis, en plus de ça, le crayon était très gras, donc c'était pas très joli, je trouvais. Après, il y a un petit goupillon au niveau de l'arrière, donc ça c'est plutôt cool. Mais je ne vais pas racheter. J'ai cette crème de chez Action, donc c'est la Very Berry, donc déjà l'odeur je trouve qu'elle sentait trop 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 bon. Je pense qu'ils la font plus, qu'ils ne la feront plus, donc je suis trop déçue parce que j'aurais tellement voulu la racheter. Je trouvais en plus qu'elle hydratait vraiment bien le corps et qu'elle pénétrait vraiment vite. Et que bah, il en fallait pas énormément pour réussir à faire un endroit qui sera correctement hydraté, mais dommage qu'ils ne la font plus. Le fond de teint donc de chez Max & More, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de couvrance, qu'il faut pas en mettre beaucoup puisque après ça va faire un effet matière et donc on va graisser assez vite, donc j'ai pas aimé, je ne rachèterai pas. J'ai ce produit donc le self tan, donc c'est sous forme de pipette, donc c'était des gouttes auto-bronzantes. Bah en fait moi je le diluais avec ma crème. Mais bah, il n'y avait pas d'effet bronzant. Par contre, ça avait un effet glowy sur la peau qui était sublissime. Mais bah, en fait, il n'avait pas d'effet bronzant. Donc, la principale fonction de ce produit n'était pas remplie. Donc, bah, c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Mais je trouvais qu'il sentait vachement bon. La mini crème de chez Pixi. J'ai détesté l'odeur. Vraiment, ça me dégoûte. Je n'ai pas du tout aimé. Je ne rachèterai pas. Ce qui fait que je ne peux pas vraiment vous dire s'il y a de l'effet puisque bah je l'ai mis très 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 longtemps à l'utiliser, donc je ne rachèterai pas, c'est sûr. Donc ça c'est un masque baume réconfortant de Dr Pierrico, donc pour hydrater le visage. L'odeur j'ai pas trop aimé. À l'application je trouvais c'est, enfin quand on laissait poser le masque je trouvais que c'était très désagréable. Et puis en plus de ça il n'avait pas d'effet, donc je ne rachèterai pas. Cette crème pour le visage donc de chez Yves Rocher, ça fait partie de l'élixir botanique. Je trouve qu'elle a une texture légère, mais par contre si on en met trop ça va vite pelucher, donc ce qui est du coup très désagréable, on va pas se mentir. Mais elle pénètre rapidement et je trouvais qu'elle hydratait. Donc c'est plutôt cool, mais pour l'effet peluche je ne la rachèterai pas. Et toujours dans l'élixir botanique, donc j'ai ce sérum. Bah d'ailleurs oui je vous ai déjà présenté un tube comme ça, donc voilà j'ai complètement oublié de vous présenter juste avant. Mais du coup vous connaissez déjà mon avis donc je ne vais pas revenir dessus. Et voilà on a enfin terminé cette vidéo, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec tous ces produits. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye.